Maud Cauteres, on est ici aujourd'hui à Bruxelles pour la présentation des play-offs. Standard est bien dedans, avec une belle victoire samedi à Zulte-Waregem, avec un très beau but de Laura Müller, hein, samedi. Oui, c'est un but qui fait plaisir. Effectivement, ça a été un match difficile pour nous. On a la victoire vraiment à la fin du temps additionnel. C'est vrai que, pourquoi pas, ça fait du bien en tout cas au moral de pouvoir gagner un match comme ça. Parce que c'est vrai que par le passé, des matchs comme ça serrés tout le long, on n'aurait pas gagné. Et ici, on a gagné. En plus, c'est un but de Laura qui revient de blessure. Donc pour elle, c'est merveilleux. Oui. Et vous restez en tête du championnat. Avec OHL, ça peut être important à la fin, je pense. Je pense que tous les points sont importants. Maintenant, il va falloir essayer de rester, nous, pour notre part, régulière sur toute la phase des playoffs. Et essayer de perdre le moins de points possible. Et après, on verra où se situe. Oui. Vous avez gagné la Coupe de Belgique l'année passée, cette saison. Ouais. Peut-être le titre. Écoutez, l'objectif en tout cas de départ était de faire mieux que la saison passée. La Coupe, malheureusement, on n'a pas été qualifié, donc on va se concentrer pour terminer au minimum à la deuxième place. Après, comme je l'ai dit, si on est champion, on est champion, mais l'objectif premier, c'est vraiment de prendre match par match et c'est d'évoluer en tant qu'équipe, parce que c'est vrai qu'on a quand même en construction, on a quand même beaucoup de jeunes joueuses, on manque un peu d'expérience sur le banc, donc on ne peut pas se projeter trop vers le futur. Et je veux dire qu'au présent, enfin, actuellement, on travaille pour être meilleur que hier. Et pour vous, cette saison était spéciale parce que c'était la première fois que Standard a joué tous ses matchs à Sclessin. Oui. Vous qui êtes déjà là longtemps à Standard aussi, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Je pense que ça, c'est vraiment, ça montre vraiment la reconnaissance du club qui donne une importance à la section féminine. Ça montre aussi que le Standard derrière travaille bien et veut nous mettre dans les meilleures conditions. Et jouer un match à Sclessin, ça c'est indescriptible. Je pense que tout le monde voudrait jouer un match à Sclessin et pouvoir le jouer chaque week-end, c'est quelque chose de spécial. Et ça fait plaisir, en tout cas pour nous en tant que joueuses, de pouvoir jouer dans le stade où les hommes jouent également. Ok, merci et bonne chance. Merci à vous.